les Antilles. Pour le monde entier, les Antilles sont synonymes de soleil, vacances, mer, cocotiers, ou série de cartes postales pour touristes en quête d'exotisme. Maman, qu'a vous faire? David, ça fait 5 jours en pas vrai. Où la vas-tu arriver encore? Mais maman, enfin, c'est un grand homme. Où la vas-tu comme ça? Je vais chercher M. Gaston qui est arrivé en avion là. Je vais t'aider à venir. Où est-ce que c'est M. Gaston? Oh, ça, maman, tellement longtemps il est parti. Hé, Mio. Bonsoir à vous tous. Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter mon frère Gaston, car ici même où il est né, il n'y a pas une personne qui ne se souvienne de lui. Non, après une carrière remarquable en métropole, Gaston nous revient. Et ce n'est pas sans une bien légitime fierté que nous pouvons lui assurer non seulement nos suffrages, mais notre sympathie et tout notre appui. Mais je pense qu'il vous tarde de l'entendre. Aussi, sans plus attendre, je lui passe la parole. Merci. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la liberté. La liberté, au sens concret du mot, consiste dans une possibilité de choix. Il s'agit aujourd'hui pour nous d'une possibilité réelle. Et notre choix paraît clair devant la situation politique actuelle. Un être humain a des racines par sa participation active, naturelle, à l'existence d'un pays. Je dis participation naturelle. Je veux dire participation amenée automatiquement par le jeu librement consenti des élections, par le lien, la naissance, l'entourage. Par exemple, moi, mes racines sont ici. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que je suis allé à l'école. C'est ici, enfin, que mes parents sont enterrés, et avant eux, ceux qui les ont précédés. Et c'est tout naturellement ici que je me présente pour devenir votre député. Écoutez, vraiment, je ne comprends pas. Aucun symptôme, aucune fièvre. C'est vraiment pas normal. Cet état quasi comateux. Écoutez, je repasserai cet après-midi. Bon, alors à plus tard. D'accord, très bien. Au revoir, madame Bombard.
Maman Ben, caille malade à casa. Mais Gaston, depuis bon matin, il est tout drôle, il est tout bizarre. Nous pas comprendre, le docteur n'a pas trouvé ça étonné. Il y a dans couche là. Il pas parler, il pas bouger. Il t'a dit que diable a fixé en mi-temps yeux. On a l'idée que il a crié Satan et Satan rentré encore. Oui. Oh, maman, quoi faire? Faut pas croire dans tout ce temps encore. Mais quand on a dit que Satan rentré encore, oui, Satan rentré encore. Oui. Mais vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire, il faut faire quelque chose. Mon frère, regarde, vous n'allez pas me faire croire que. En plein 20e siècle, ma femme soit envoûtée, c'est ridicule. 20e siècle ou pas, ça ne change rien. Ici, nous sommes aux Antilles. Par qui nous allons commencer? Nous allons commencer par un grand bain. Mais démarrer. Oui. Madame Ounil était en alcali. Oui, tout ça. Vous apportez un peu de feuillage, apportez de l'eau chaude là-bas, nous pouvons commencer ça. Vous regardez qui me va là-bas. Manel! Portez de l'eau chaude! Qui me garde là-bas? Bien fort, ça n'est pas si simple que ça. Il faut regarder nos affaires. Ah non, 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 oui. Non, non, pas de quimbois ici. Agathe, vous vous rendez compte si jamais en ville on apprend que ma femme a été visitée par un quimbois? Il faut regarder, il faut aller. Il faut regarder nos affaires. Il faut aller garder nos affaires. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Paye, qui m'a dit? Là, mon petit. Quand on fait vos sorties, là nous sortis là, vous ne pouvez pas malade. Mais on va pas faire ailleurs. Eh non, mais on va payer, là nous sortis là. Mais restez là, restez là. Ah, on va pas payer, nous sortis là, travailler là. Mais pas vrai pour résoudre. Ah, madame, pas payer moi, hein. Si on pas payer moi, on va pas sortir quoi, avec moi. Ah, là nous sortis là. Eh ben, maman, ben, on va pas dire tout bon, on est tout payé, on va pas payer. Mais tu sais, mon pour garder l'affaire, bah, vous travaillez, bah, vous ne pouvez pas payer moi. Mais moi, pas pour l'argent, vous basez. Ah, mais ça, on peut payer moi. Trouver l'argent. Ah, non. Ah, on peut payer moi. Faut trouver l'argent, faut trouver l'argent. Ah, maman, ben, on va pas dire, madame, comment on fait comme ça, on est malhonnête, ma chère. Ah, non, alors. Mais, on va rouler. Femme là, yo fait travail là-bas, travail là mal fait. Yo te voulu marier Marie aïe, mais au plein champ. Mais qu'un peu fait, vous connaître moi. Hey, maman nous aïe. Toute misère là, quoi, pour un pays là. Vous pouvez porter haut, mais encore pour la mort. Les pieds au mari.
En partant de nous, l'eau de bout. Ah, bon, mais quand ça compte, qu'on pèse en bas et qu'on pèse la paix. Donc, on va être qu'on pèse en bas. Oui. Donc, on va être qu'on pèse la paix. Oui. T'as plus rouillon, Adam, yo. En bas. T'as plus rouillon. En bas. Eh bien, t'es ni une fois, on pèse en bas et qu'on pèse la paix. T'es aimé manger cabrit. Manger cabrit. Ouais. Une belle timone. Manger cabrit. Pas pour y'en a donc. Belle timoun tout bonnement. Manger cabrit tenu des yeux. Où t'es dit les étoiles de l'Orient. Ça te cas duré longtemps. On pèse en bas et qu'on fait la fin. Je dis, ah ouais, ça ne peut pas continuer comme ça. Faut nous aimer en bas. Faut nous aimer manger cabrit qui est si préféré. Ah ouais, trouver manger cabrit. Je dis manger cabrit. Faut choisir ou à présent. Ça ne trop longtemps ça va durer. Manger cabrit dit, eh non, je peux pas choisir encore, je peux pas, je vous aime tous les deux. On dit qu'il m'a foutu ça, je vous aime. Faut choisir manger cabrit. Ah ben manger cabrit réfléchit, il dit, faut choisir, oui, faut choisir, il faut que je choisisse, oui, bon. Alors, eh ben, manger cabrit dit, en qu'est choisi, t'as là, qui montait assis l'autre là, qui fait qu'on cavalier assis cheval. Bon, samedi, mon zèque a bu de continuer, il dit, samedi, en repassé assis grand chimet, et talent, vous voyez qui assis l'autre là, c'est talent qu'a choisi, c'est talent qu'a maillé. Ah, je dis, bon, d'accord. Aïe, samedi, vini, on pèse en bas et qu'on pèse la peine, et on commence à marcher ensemble. Et puis, à un moment qu'on pèse en bas, on pèse en bas qu'on pèse la fin, Jean qu'a boité. On pèse en bas qu'a dit, mais qu'a ou fait on pèse la fin, on Jean conseille qu'a boité. On pèse, ouh, qu'on pèse la fin, qu'a dit, ouh, qu'on pèse en bas, tout est ça. Moi, malade tout bonnement, ouais, papa, mais quand Jean, moi, t'as fait moins mal tout bonnement, oui. On pèse en bas, qu'a dit, ah, ouah, papa, où y'en est, oh. On va faire ça, esprit, moi, on monte à Sidoa pour monter à Sidoa. Moi, mais avant, on va vous dire. On peut se dire, regardez, on peut se dire, regardez, j'ai un moment comment il est. Mais j'ai un moment à faire, on ne peut pas lâcher encore, on peut se dire, faut monter à Sidoa. Où on peut se dire, bon, on fait Jean-Marc. On peut l'appeler Kabouete. Il Kabouete tellement, bon, d'ailleurs, il a traîné à terre. Alors, on peut se dire, ben. Bah on voit un peu, marchez devant moi, ouais. On peut l'appeler Kabouete. Après, on va dire, bon, d'accord. Montez à Sidoa, mais attention, hein. Faut rester couché à Sidoa, moi, parce qu'il ne faut pas faire un cavalier à six chevaux, non. Alors, on peut l'appeler, mais oui, moi, je ne m'en pas même. On ne peut pas même penser à manger Kabouete encore, moi, tellement malade, non. On ne peut pas même penser à lui. Il peut monter à Sidoa en bas, couché à Sidoa en bas. Mais quand il était assis droit en bas, il était plus haut qu'il en bas. Et quand il était si grand chemin là, il voyait manger cabrit avant en bas. Et quand il voyait manger cabrit, il levait, il dressait, et fait crier, oulala. Alors manger cabrit dit, eh ben ouais, ben c'est il y a qu'à choisir, et qu'on peut en barrer. C'est un conteur ce gars. Il a l'air populaire.
excusez-moi d'y revenir, mais les trois dernières réunions organisées par votre frère Didolphe n'ont pas été un succès. Hein. Trois réunions, nous n'avons pas réussi à avoir l'appui des notables. Je m'en étais rendu compte. Et d'après les récents sondages effectués, pour que vous puissiez passer au second tour, il faudra récupérer 8 à 10% de voix à l'opposition, et les 8 à 10% de voix, il faut les prendre où ? Pour les prendre dans le peuple. Dans la situation actuelle, il nous faudrait quelqu'un qui obtienne les voix du premier tour et se désiste en votre faveur. Seulement voilà, pour le moment, nous n'avons que deux candidats, vous et celui de la gauche. La création d'une troisième voix. C'est Monsieur Montbin. On n'invente rien. On pourrait créer un parti, disons, écologique. Surtout apolitique. Excellent. Et qu'on pourrait, disons, manipuler facilement. Vous vous en chargerez, Pauvert. Bien. Vous avez des propositions? Depuis quelques jours, nous avons fait des recherches et nous avons quelques candidats crédibles. Je remercie d'ailleurs Monsieur le directeur de cabinet qui nous a aidés dans cette tâche. C'est la moindre des choses, mon cher. Didier Malarion. Il a une vie sentimentale qui n'est pas piquée des vers, lui. Théodore Vitalon. Théodore Vitalon. Non, il a un casier judiciaire, inutilisable. David Boyer. Et je le connais. Oui, David Boyer, on l'appelle aussi Coco Lafleur. Sa mère travaille dans l'entreprise Montbin. Ah oui. Et chose importante, il a son BEPC. Oui, il a eu quelques responsabilités à une époque à la Sodipal. Mais pour des raisons mal définies, il a abandonné son poste. Alors à l'heure actuelle, nous savons qu'il vivote quelque peu, mais vraisemblable qu'avec un peu d'argent, il est aisément récupérable. Il a surtout pour lui l'avantage d'avoir une certaine popularité au sein du petit peuple. Mais et il n'a pas de grandes ambitions. Bon, ben, mettons-nous au travail. Coco ! Coco ! Et Coco, vous grandit en bitin, quand au café ? On est là ? Oui. Allez. Est-ce que vous voulez conduire l'auto là? En bison, menez-moi avec un temps moins au bout de l'année. Ah. Ouais. Ils ont voulu. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est toute l'année comme ça. Vous habitez tout le temps ici? Ah, je suis pas en vacances, moi. Ah, mais vous n'êtes pas métropolitain? Non, je suis créole. Ah, vous êtes comme moi, alors? Ben, c'est-à-dire que mes parents sont blancs, mais je suis né, j'ai été élevé ici, et je travaille ici. Mais... vous êtes ce qu'on appelle un béquet. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je travaille avec mon père, et on a tout ça. Tiens, vous voyez ce voilier? Ben, c'est la dernière folie de mon père. Ça vous plairait d'aller faire un tour? Ah oui, je viens. Ah ben, on y va. Thank you.
des levées. Debout de levées, nouveau tissu à expérience. Sous toute l'aide quand on fait un petit essai de chauffer. Allez, jouez, jouez, jouez. Il n'y a pas à parler, il n'y a pas à parler. Oui, il n'y a pas à parler, mais il va comprendre. Oui, il va comprendre. Nous pas faire ça en biscade. Vous pouvez faire pour la paix. Venez, venez, montez. Allez. Vous pouvez faire pour la paix un jour. Vous connaissez bon ça. Allez. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bonjour. Pas vous quand. Alors, mais je t'avais fait que papa l'a fait là. Ça va. Ouais, ça va. Thank you.
Non, non, je ne peux pas. Nous sommes en pleine réunion de travail. Eh bien, demande à Agathe. Non. Non, non, ben, demande à fils de Manel avec Claudette, comme la dernière fois. Ça se passera très bien. Mais non, je ne peux pas. Non, excuse-moi. À ce soir. Que vous aimeriez voir autre chose qu'une carte postale. Nous sommes à côté du cratère, non? C'est dangereux? Ça peut le devenir. On m'a dit que c'est la première fois que vous venez au pays. Ça doit vous changer, non? Depuis toute petite, j'en rêvais. Maintenant, je vis un rêve. Et puis mon père nous en parlait souvent. Il avait réussi à apprendre à ma mère, qui est normande, à faire de la cuisine antillaise. Depuis que je suis ici, j'ai envie de tout voir. Au fait, Claudette m'a proposé de m'emmener voir un combat de coq. Vous pourrez nous y conduire ? Je demanderai à Tidolf de lui poser la question. Après tout, j'aime autant qu'il soit dans le coup. Ta maman même, sans nipouille, sans vénération. Est-ce ou bien à la rose? Écoutez-moi. Il y a deux bougues importants ici. Sans commander, c'est fait, ça y est, du fait. Et crois-moi, ça va pour vous. Vini. Vous avez peut-être raison de le faire. Merci. Incroyable. Je ne sais jamais. Du sang partout, oui, c'est cruel. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse aimer des choses pareilles. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et puis ils sont encore plus excités que les coqs, tout ça. Ah, c'est vraiment la réponse.
Bon, Manel, c'est bien, j'ai un bac de jus de fruits. Excusez-moi, j'ai oublié, madame. Moi aussi, Manel. C'est incroyable. Je suis complètement. Je vous présente David Boyer. Denis Pauvert. Bonjour, monsieur Boyer. Delbois. Il sera indispensable qu'il se présente à notre bureau demain à 15h. Vous pouvez y compter, il y sera. Mais enfin, pourquoi lui? Il voulait quelqu'un qui soit près du peuple et avant tout parfaitement malléable. Il l'a observé. Ça n'est inscrit pour personne, tout le monde l'aime. Regarde, même toi, tu t'es laissé prendre à cette espèce de sympathie qui émane de lui. Oui, mais de là à voter pour lui, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, des ordinateurs parisiens? Bon, je sais bien que tu n'aimes pas Delbois et Pauvert. Enfin, nous sommes ici pour gagner une partie. Je joue mon ascension politique. Tu seras président un jour, peut-être. Merci de me montrer jusqu'où je ne peux pas aller. J'ai pas voulu te vexer, tu sais. De toute façon, ça va être la fête pour lui. Il va passer à la télé, à la radio, il va parler. En public, vous direz exactement ce qu'on vous dira de dire. Vous ferez exactement ce qu'on vous dira de faire. Allô, monsieur le directeur du cabinet. Oui, le préfet. Oui, oui, il arrive tout de suite, oui. Oui, au revoir, monsieur le directeur du cabinet. Vous avez bien compris. Je comprends que je vais être candidat contre Monsieur Gaston, c'est bien ça? Oui, en quelque sorte, oui. Mais vous n'avez rien à craindre. Monsieur Pauvert se chargera de tout. Et donc, quand tu auras fini avec lui, je pourrai le prendre pour la photo après. Attendez, attendez, attendez. Monsieur Boyer, détendez-vous. Pensez à toutes les femmes qui vont voter pour vous, c'est important, ça. Hein? Allez, et souriez, vous avez un beau sourire, là, et profitez-en. Hein? Ah non, 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 pas ça, c'est pas sérieux, ça. Tout à l'heure, on en fera à l'extérieur, en plein d'hibiscus, si vous voulez. Là, souriez, maintenant. Voilà, allez-y. Les jours suivants, Denis Pauvert entreprit méthodiquement de transformer Coco la fleur. Évidemment, cette transformation n'alla pas sans de nombreuses jalousies et sans quelques déceptions. Ainsi, une après-midi... À votre santé, monsieur Boyer. Dites donc, ça doit vous changer de vous trouver là, hein? Ah, il y a des choses qui vont se modifier dans votre vie, monsieur Boyer. On va vous y habituer. Frère ou ami, qu'est-ce que vous en pensez, Pauvert? Ami. Donc vous direz ami. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui m'a poussé à être candidat. Pour bien faire, il serait préférable que vous appreniez ce texte par cœur. Vous pourrez le lire, bien sûr, mais apprenez-le par cœur. Ça fait plus sérieux, c'est plus convaincant. Vous comprenez? Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui m'a poussé à être candidat. Et surtout, un candidat apolitique. Retenez bien ça, c'est ça le plus important. Un candidat apolitique. Oui, mais je parle en français ou en créole? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous en dites, Pauvert? En français, je pense. Donc, vous le direz en français. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui m'a poussé à être candidat. Bientôt, nous allons devoir voter. Voter
C'est pour nous la seule façon de nous exprimer. C'est pour nous la seule façon de choisir quelqu'un qui parlera en notre nom. Mais qui peut parler pour nous? Qui peut dire ce que nous ressentons? Ce que nous voulons? Quelqu'un qui connaît nos problèmes, qui partage nos joies et nos peines. Quelqu'un qui vit parmi nous. Quelqu'un qui travaille. Qui travaille. Ouais. Qui travaille. Ça ravin son vieux blague. Qui travaille. Zovlan ba zot lion. Blague là. Zovlan ba zot li. Encore ba zot li. Tenis un temps longtemps, longtemps, longtemps. Bon Dieu t'ai fait la paix. Attends, ouais. Bon Dieu t'ai fait la paix. Quand il finit de faire la paix, il fait un homme. Il fait un homme blanc, il fait milat, il fait nègre. Pourquoi on met blanc? Après, il fait ce homme-là, il dit, en cas, il y a chacun chance. En cas, il vient manger avec moi. Et à cette table-là, il mettait trois lots. Il mettait une enveloppe cachetée, il mettait un caisse fermé, et puis il mettait un encrier avec pas de plume. Attends. Quand vous l'arrivez, Bec est là, Milat là. Et... Allez, viens, on s'en va. Attends. Et si on te reconnaît? Où est-ce qu'elle a encore passé, Fifine? Il fautait tout quoi, il y avait Bérôme. Il mettait un costume bien blanc. Et puis, il mettait un panama à cette taille. Et puis, il prend un cheval. Et puis, il partit, ouais, bon Dieu, là. Milat là, il prend un bain en bas de la mer. Il mettait un spencer blanc. Il prêtait un pergant. Et puis, il fait un bouquet fleur pour y porter pour la vieille. Et puis il prend mille tailles et puis il partit voir Bondier là. Nègla, lui, il levait, il bossait dans l'ail, il lavait toute figuille aille. Il lassait la séa sous l'ail, il mettait ses souliers à ses épaules aille. Il mettait kilot de bril aille, il levait pantalon là, juste à ses beaux genoux aille. Et puis il mettait un tricot bien blanc à trous. Et puis il commençait à descendre mon là, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pendant ça, mais dans l'arrivée à Cabondiela, Cabondiela dit, choisis si ces trois lots-là. Dans là, regardez ces trois lots-là, il prend enveloppe cachetée là. Cabondiela dit, on prend l'argent. Minat là, arrivé un Jean Rita. Il était contre un bel chabine en chemin. Alors, Cabondiela dit, choisis si ces deux lots-là. Minat là, regardez, Minat là... Il prend un caisse là, il pesait, il voyait un Jean Loup. Alors il prend l'encrier pas de plume. Quand il est arrivé, alors, quand il a là, prend l'encrier pas de plume, bon, il a dit, vous prenez l'intelligence. Quand il est arrivé, patetini, il y a un caisse là. Il ouvre caisse là, quand il va dans caisse là, il voit hache, il voit machette, il voit couteau, il voit un petit outil. Alors, bon, j'ai dit, eh bien, on gagne le travail. Eh bien, mes amis, en cas de sortir un bitin, contre là, ça, c'est ça, ils ont toujours à côté de nous. C'est ça, ils ont toujours mettez en tête en nous. Mais à pas vrai! À pas vrai du tout! Ils ont toujours dit, nous, blanc, c'est pour l'argent, mais il n'a qu'à faire l'école, et nègre, bon pour travail. À pas vrai! Nèg ça, là, ce point fait, oui. Faut ça changer. Oui. Qui m'a foutu ça? Tout homme, c'est homme. Tout homme, ni même besoin, oui. Ni même droit, ni même devoir. Oui. Alors, pas de raison. Hein? Nous besoin d'argent. Nous besoin d'argent pour nous manger. Parce que tout le monde savent, sac vide par Kembe du bout. Et pour ça changer, faut nous la fraternité, faut nous la solidarité. Oui. Ça marche bien. Pour qui? Solidarité. Kemberet, pas moli.
Non, non, écoute. Il faut que je m'en aille. Dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous avec des loin. Allez, viens. Au fait, je vais te dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, hier, j'étais au meeting avec Finn et Monique. Oui, et alors? Il est curieux, ce type. Curieux? Pourquoi? Je ne sais pas, enfin, curieux n'est peut-être pas le mot, mais... Pauvre m'a dit qu'il s'en était très bien tiré. Tu sais, c'était vraiment un autre homme, il avait vraiment l'air sincère. Oh, la sincérité en politique. Ben, mais justement, il ne fait pas de politique, il dit ce qu'il a à dire, c'est tout. Il dit ce qu'on lui dit de dire. Tu crois vraiment avoir raison? Comment ça, raison? Enfin, raison d'être ici, de te présenter comme candidat. Mais enfin, bien sûr, nous en avons déjà parlé. Monsieur Bombin, s'il vous plaît. Tu sais bien que je n'aurais jamais accepté si je ne croyais pas à ce que je faisais. Oui, ça va. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Bombin, nous sommes prêts quand vous voulez. Mais nous sommes là pour ça, on va y aller. Très bien, ben, voilà. Je mets mon veston. Ouais, voilà. Où voulez-vous qu'on se mette? On va se par là, si vous voulez bien, parce qu'on a plus de lumière. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui. Comme ça, mais c'était un pâté, ah, on va vous installer avec nos deux charmantes crayons. Je vous félicite, elles sont charmantes, vous avez bon goût. Bon, ben, quand vous serez prêts, vous êtes prêts, on peut y aller? Très bien. Dans le cadre d'une victoire de l'opposition, on parle de donner au territoire d'outre-mer une autonomie. Qu'en pensez-vous? La victoire de l'opposition aux prochaines législatives ouvrirait aussitôt la voie aux séparatistes, pour lesquels ils l'ont maintes fois proclamé, l'autonomie est l'antichambre de l'indépendance. J'affirme donc ici qu'à une époque de bloc, les nations de l'Est et de l'Ouest, l'avenir politique et économique des Antilles ne peut pas exister ailleurs que dans le giron de la France. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de le faire ici, dans ce paysage paradisiaque. Ce serait, en cas de victoire de l'opposition, donc, la misère et la faim pour beaucoup, le recul de la civilisation pour tous. Pensez-vous que le programme de... Excusez-moi. Regarde, je voulais te faire plaisir. Joli, non? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? En ce qui concerne l'appui des notables, si on faisait une garden party chez votre frère, ça serait une bonne idée, c'est l'endroit idéal. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Je convoque la presse. Amis, juste un moment de silence. J'ai la joie de vous présenter mon frère Gaston et j'espère notre futur député. Évidemment, vu de Paris, votre candidature paraissait plus simple. Mais il faut constater que, malgré vos attaches familiales, depuis que nous sommes là, nous avons rencontré que de la méfiance. Vos compatriotes sont particulièrement susceptibles. Monsieur le directeur de la BNC. Heureux de vous rencontrer, monsieur le directeur. Nos amis. On m'a beaucoup parlé de vous et des positions. Vous avez vu, c'est la femme du président de la compagnie sucrière. Ah oui, ça je vous l'accorde, mais il va falloir y penser. Dans le contexte actuel des choses, je pense qu'il est absolument nécessaire que nous le voyions. Dis donc Gaston, est-ce que tu as pensé à te faire protéger par un gars bien au courant? Un anti-menteur. Ah si, il a raison, c'est indispensable. Non, ne serait-ce que pour neutraliser les autres. Exactement. Tu as compris maintenant? Vous n'allez pas vous aussi vous mettre avec les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? On est aux Antilles ici. C'est oui. Mais il ne faut pas penser, il faut quand même penser. Normalement.
Ah bah tenez, Pourvert nous appelle. Il faut aller voir M. Archambault, là. Non, permettez-moi de vous dire, mon cher, tout ça. Ah, ah, non, mais ça, mais non. Francs par jour. Mais pourquoi Vincent ne travaille pas? Elle ne travaille pas parce que... Il n'y a pas de travail. Il y a travail simplement quand les bateaux viennent, mais après la récolte du bateau, oui. Il n'y a pas d'autre boulot. Mais tu as la sécurité sociale? Ah, oh, ben non. Non, il va bénéficier. Il va bénéficier. Et enfin, pourquoi? Eh bien, pourquoi c'est quand on dit que nous sommes en chômage, nous en chômage pour le moment? Mais tu ne bénéficies pas du chômage non plus? Non, non. Du chômage, simplement un jardin à moi. C'est un jardin à moi. Un jardin à moi, on va bénéficier. Un jardin là, on va vendre piment, on peut vendre piment, on peut vendre un bouquet fourniti, 1,50 francs. Oh, ben non, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Parce que des moments, on va bien obligé de tuer. On va de l'huile mourir, elles vont pas de figue. Et puis c'est Timon à manger, et le soir, nous sommes obligés de faire un chocolat au lait et puis pain. Ah oui. Et puis en bas de temps, pour nous six. Faut ça changer. David, vous avez pris des contacts intéressants? Oui, quelques-uns. Dites-moi, David, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Gaston Mombin sera un bon député? Non. Je vous pose la question, vous avez ma parole, ça reste entre nous. C'est difficile à dire, monsieur Pauvert. Ça fait 20 ans que M. Mombin est parti, et en 20 ans, on change, on évolue. Il est devenu métropolitain presque malgré lui. Tenez, il a même oublié le créole. Mais je croyais que vous ne faisiez pas de politique, David. Politique? La politique, M. Pauvert, c'est notre misère. Tenez, regardez. Vous savez ce qu'a répondu Toussaint Louverture à son geôlier lorsque celui-ci lui demanda « Mais qu'avez-vous fait à Napoléon? Vous êtes de Saint-Domingue, vous étiez chez vous. » Eh bien, il lui a répondu, je lui fais peur. Je trouve ça dément que des hommes et des femmes de nos jours puisse encore effectuer un travail pareil. Car je sais, David, qu'il existe des machines. Le profit, monsieur Pauvert. Le profit. Ah,
Pas souffert. Ouais. Voilà. Non, mais misère, mais souffrance, c'est misère aussi. Ah, tout ça. Moi, quand on dit misère, on ne parle pas de souffrance. Et justement, c'est tant qu'il n'y a pas avant nous pour nous vivre bien, nous. C'est tant qu'il n'y a pas avant nous pour nous vivre. Asseyez-vous. Téléphone. Allô, Régie, oui? Ah. Bien. Bon, merci. On m'informe de la régie que M. Pauvert est retenu à la préfecture. Il sera en retard. Voulez-vous qu'on l'attende? Non. Non, on peut y aller. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Politique Extra, vous avez pu entendre, en raison de la campagne des élections législatives, un certain nombre de candidats, dont particulièrement M. Gaston Monbin, candidat de la majorité, et M. Ernest Léguet, candidat de l'opposition. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons M. David Boyer. C'est un candidat de dernière heure et qui a comme étiquette une étiquette apolitique. Alors, M. David Boyer, qui êtes-vous? Ben, je suis un Antillais, tout simplement. Un Antillais qui souhaite représenter les hommes et les femmes de ce pays qui ont quelque chose à dire. Mais alors justement, pourquoi apolitique? Apolitique? Eh bien, si faire de la politique, c'est faire de beaux discours et promettre de belles choses, comme ça s'est fait souvent ici, eh bien oui, je ne suis pas politique, je suis apolitique. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut, ne pas avoir peur de voir ce qui est dans le pays, monsieur. Le micro. Il faut ne pas avoir peur de voir ce qui est dans le pays. Il faut constater la misère, comme on m'a dit très souvent, parce que c'est pas moi qui ai été à apprendre les choses aux gens. J'en ai appris d'eux. Et tous, ils m'ont dit, faut pays-là changer. Pays-là, c'est un nous, faut y changer. Et alors, comment voyez-vous cette transformation? Je ne dis pas qu'on ne fait rien ici. Je dis qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Et ce sont les hommes et les femmes de ce pays même qui apporteront ces solutions, qui les trouveront. Alors moi, je suis là pour parler en leur nom, parce qu'ils ne peuvent pas parler eux. Et quand ils essayent, eh bien, on a vite fait de leur fermer la bouche. Parce qu'on a toujours considéré les Antilles comme une carte postale, un paradis, un endroit où on ne meurt jamais de faim, naturellement. Mais il y a une différence, monsieur, entre ne pas mourir de faim et manger convenablement. Et vous savez, il y a de la misère ici, monsieur, il y a de l'injustice. Le créole, par exemple. Pourquoi est-ce que on a toujours considéré le créole comme quelque chose de mauvais, on dirait? Je vais vous dire une chose. Sur le micro. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais petit et que j'allais à confesse, le premier péché qu'on me faisait avouer, c'était d'avoir parlé créole. Alors, pourquoi inférioriser comme ça notre langue? Vous savez pas ce qu'un marin pêcheur m'a dit l'autre jour, monsieur? Il m'a dit, ce n'est pas seulement la misère, c'est la souffrance.
Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de vivre sa vie, de vivre sa propre culture. Et c'est peut-être encore pire que la misère. Mais il se plaint pas. Il se plaint pas parce que les Antillais sont un peuple digne. Mais pas besoin de faire une nouvelle gagne, qu'est-ce qu'il faut, hein? On achète un kilo de Christophine. Bonjour, monsieur Boyer. Mais, madame Mombin. Je vous ai vu hier soir à la télé. Mais voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je me sens de plus en plus antillaise. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Vous savez, c'est aussi un Antillais. Un Antillais qui veut faire quelque chose pour son pays. Je peux vous assurer qu'il essaiera ses députés de... Oh, vous savez, ici, tout le monde essaie quelque chose. Ou plutôt, tout le monde essaie d'essayer. Si on commence à te regarder. Dans le fond, je vais vous dire, je crois bien qu'on parle le même langage. Peut-être, mais on ne parle sûrement pas des mêmes personnes. Moi, je parle de tous ces hommes et de toutes ces femmes à qui on a inculqué l'albinisme, le complexe. Le complexe de leur couleur? Surtout le complexe de leur état. Alors là, vous parlez comme mon mari. Il dit que l'Antillais est forcé d'accepter la culture européenne. Et c'est parce qu'on ne lui laisse pas la possibilité de vivre sa propre culture. Mais n'oubliez pas, notre avenir reste entre nos mains. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Madame Mombin, il ne suffit pas d'aimer les Antilles pour être antillaise. Il faut encore les comprendre. Marie-Ange! Oh! Bonjour. Ça va? J'ai préféré marcher un peu en vous attendant. Tiens, tu vois? C'est là que je jouais au football quand j'étais gamin. Tu sais, au fait, on a vu David Boyer au marché. Ah oui? Pauvert m'a dit qu'il se prenait très au sérieux. Tu sais, tu as peut-être tort, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens. Il dit vrai, tu sais. Mais c'est exactement ce que nous lui demandons. D'ailleurs, il est beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Non, et puis, il ne faut pas s'en inquiéter. Pauvert le contrôle. Tu fais une drôle de tête. Tu as des ennuis? Qu'est-ce que c'est pour toi, être antillaise? Pour le moment, ça ne signifie pas grand-chose. Mais nous sommes justement à la recherche de cette identité. Je suis pas autonomie, alors. C'est pas un problème politique, je ne fais pas de politique. Mon cher Delbois, les réalités de la vie antillaise, c'est autre chose que les petits graphiques que vous faites dans votre bureau à Paris. Savez-vous que 85% des terres appartiennent aux béquets? Que la grande compagnie Air France, qui a le monopole des transports aériens, n'accorde aucune tarification spéciale aux Antillais qui veulent venir en France. Donc, pas d'échange facile avec la métropole. Le sucre est raffiné en métropole. Donc, pas de structure industrielle. Entre la Guadeloupe et la Martinique, ce sont deux départements français. Eh bien, il n'y a pas de libre circulation, puisqu'il y a une barrière de douane. C'est comme si on foutait une douane entre la Lozère et l'Aveyron. À égalité de titre. Entre un métropolitain et un antillais, c'est toujours le métropolitain qui a l'avantage. Ah, les primes d'hébergement, les primes de ceci, pourquoi pas les primes de chaleur aussi, hein? Et il y a encore pire que ça, hein? Il y a l'expatriation des forces vives d'Antillais. Je vais les noter cette fois-ci. Il y a deux sociétés qui s'appellent le Pulidum et le Pulidum. Et ça, je vais vous dire ce que c'est. C'est la vieille règle romaine. Diviser pour régner. Et je vais vous dire une chose, des exemples comme ça, je peux vous en donner 10, 20, 30. Il y en a plein d'exemples comme ça, ici. Mais voilà, voulez-vous en venir, Pauvert? Et je crois, mon cher Delbois, que nous faisons fausse route. Je ne comprends pas très bien votre attitude. Nous sommes ici pour faire un travail.
Nous recevons des ordres du Premier ministre. Rappelez-vous notre dernière entrevue avec le ministre de l'Intérieur. Enfin, vous êtes un fonctionnaire, oui ou non? Du temps du général de Gaulle, maintenant. Attention, Pauvert, attention à ce que vous dites. C'est pas le moment de faire une blague. Vous êtes en fin de carrière, pensez à votre retraite. Vous ne voudriez tout de même pas que je fasse un rapport sur vous. Votre rapport. Votre rapport, vous pouvez vous le foutre au cul! Voulez-vous, Pauvert? J'ai peur. Nous avons du travail. La lumière. La lumière. Moi, tel que je te connais, je suis sûr que tu as voté pour ma candidature. Bon, mais en cas de voter. Les résultats de cette élection partielle furent surprenants. Si Gaston Mombin confirmait les sondages avec 41% des suffrages, Ernest Le Guy, le candidat de l'opposition, était devancé par David Bouilleur, qui faisait un score de 29% des voix. Tout semblait joué. Le premier tour, M. Gaston Mombin, en recueillant 41% des voix, devant David Bouilleur, confirmera son désistement en votre faveur ce soir au journal de 19h30. Bravo Delbois, asseyez-vous. Mais vous prendrez bien une coupe de champagne, M. Delbois. M. Bouilleur vient donc en deuxième position. Ce matin, au lendemain de ce premier tour des législatives. Dès 11h, M. Gaston Mombin, candidat de la majorité, faisait savoir qu'il était parfaitement satisfait de son score.
Ce soir, sur notre plateau, nous recevons M. David Boyer. M. David Boyer, comme vous le savez, maintenant est arrivé en deuxième position. Nous allons lui laisser la parole. À vous, M. Boyer. Mesdames, messieurs, je remercie les hommes et les femmes qui m'ont accordé leur confiance. J'en suis très fier. J'ai donc décidé de me maintenir au deuxième tour. Comme vous venez de l'entendre... Vous et Beauvert êtes irresponsable de ça. Où est Beauvert? Et quand la grande inconnue de ce reste... Que quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Mais hier, tout était OK. Notre équipe sur place. Allô, allô, est-ce toi? Ici le directeur de cabinet du préfet. Passez-moi immédiatement le réacteur en chef, s'il vous plaît. Merci d'être venu m'accompagner. Je suis vraiment très ennuyé de tout ce qui vous arrive. Vous savez, David, être fonctionnaire, c'est s'oublier soi-même. On sert un pays, enfin, on sert surtout l'idée qu'on se fait de ce pays. Comme le général, moi aussi, je me suis fait une idée sur la France. Et c'est pour ça que je vous ai aidé. Je suis sûr que vous ferez un excellent député, un peu particulier, certes, mais sûr et certain, vous servirez très bien les intérêts de votre peuple. Vous m'avez fait voir et comprendre bien des choses, M. Boyer. Et on se reverra certainement à Paris. Comme une patate avec le conseil de l'aîné, nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore. Au revoir, M. Boyer. Au revoir, M. Boyer. David, pour qui vous faites ça? Quand monsieur Gaston fait ça? Ou mauvais, David? À part qui monsieur Gaston, maman? Il y a un pile con. Gardez-moi bien. Politique là, quand vous gonflez tête, en bus, quand vous tenez raison, de quoi vous comprenez? Je ne peux pas comprendre, maman. En haut. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. En tête belle, alors. Non, maman. À pas s'en veut dire. Mais, pas chaleureux quoi, au fond, ça. Vendu un butin. Ou toujours vivre à Calais, mon bain. Hein. Les mon bain, c'était comme famille. Quand Fifi ou quand Claudette était malade, vente à haut, t'es qu'à faire plus mal qu'il vente à ma mon bain. C'est normal, il a fait ta main, moi. Ouais, oui, maman, mais faut tout ça changer. Faut nous vivre vie en nous, maman. On pas chagriné, mais on pas j'en vivre vie à vous. On pas j'en vivre pour vous. Faut toujours vivre pour les mon bien. Vous, ou comme papa, il pas qu'à j'en faire à rien comme les autres. Il toujours te qu'à faire l'esprit à y marcher trop. Et quand vous comprenez, qu'à politique que portez bas. Nous là. Ouais, nous là. Follou là. Qu'a rêvé, petit à moi, ou qu'a rêvé? Maman. We'll be right back.
la menthe. Ouais. Les cheveux de là. Ah ouais, ça va pas vraiment de là, hein. Tout à l'heure, hein? Oui, oui. Ouais, moi. Ah, si bon, dit bon, hein? Comment t'as doué, ouais? Mais là, c'est bon, ça vous va moins, ouais. Hein? C'est pour. Vous ne pouvez pas prendre la rien là? C'est pour, c'est pour. Ah, merci, mon vieux, merci. Allez, qu'est-ce que fort, hein? Une regrettable bavure. Je suis sûr que Denis Pauvert a usé de son influence en pensant agir pour votre propre intérêt. Et maintenant? Maintenant, la lutte va être très serrée. Vous pensez vraiment que cet homme qui n'a aucun droit... Oh, monsieur Monba, il ne faut pas sous-estimer ce David Boyer. Sa faiblesse ici devient sa véritable force. Avec le désistement du communiste, les voix de la gauche iront probablement à lui. Alors inutile de faire le calcul. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que je peux vous voir un instant? C'est la seule, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'ai tout arrangé, si vous comprenez, c'est très délicat. Vous n'y pensez pas? C'est bien que nous y sommes obligés. En fait, comme vous voulez, je ne veux pas le savoir. À notre victoire. Mesdames. Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'as l'air bizarre. Mais non, je n'ai rien. Je descends en ville et je te dépose. Bon, on y va. Tu prends ton sac? Non. Rejoindre Alain Marcadère dans trois quarts d'heure à peu près. C'est vraiment très grave. Je n'ai absolument rien à vous dire. Yeah.
popo, aïe popo. Nous tout est pire, l'homme a dit nous sommes à penser. Nous qu'à coûter, aïe popo, aïe popo. Sauveur nous, aïe popo, coco la fleur. C'est non à vous, yo monte complot. Pour yo éliminer, pour méfiez-vous, yo syndiqué. Yo ne pas arrivé, vous faites peuple à comprendre. C'est pas soleil seulement qui mine. Aïe coco, aïe coco. Nous tout est pire, l'homme a dit nous sommes qu'à penser. Nous qu'à coûter, aïe coco, aïe coco. Sauveur nous, aïe coco, coco la fleur. C'est non à vous, faut faire attention. Nous allouons tout gens. En pays là, ni boycotté. Que mérite pas moli. Nous c'est donc guérivé. Oh, méfiez-vous, yo syndiqué. Ouai, coco, ouai, coco. Nous tout est pire. L'homme a dit, nous sommes à penser. Nous qu'à coûter. Ouai, coco, ouai, coco. Sauveur en nous. Ouai, coco, coco, la fleur. C'est non à vous. Again.